vous présenter un trolleybus NAV DTL de Lausanne. Je vais vous présenter les escaliers que chaque convoi ils ont. Ils ont tous un escalier pour pouvoir monter à l'intérieur et descendre les passagers. Ils ont aussi une petite girouette pour la destination et le terminus de chaque trajet de la ligne. Ils ont aussi une ancienne remorque, il s'agit de la numéro 913. Et ils ont aussi 7 nouvelles remorques de la marque S. Je vais vous parler de la dernière version qu'ils ont eu, les NAV et les FW de Lausanne. Ils en ont eu une en 2002, en 2012, jusqu'en 2012 c'était pour les FPW, ensuite il y a eu en 2016 et maintenant jusqu'en 2022. C'est qu'ils ont plus dans les normes de la circulation. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée. Ce sont des véhicules solides, fiables. On fait beaucoup de ça maintenant. Ils ont une grande capacité. Ils vont encore durer quelques années. Parce que c'est du solide, de la qualité. Bien sûr que. Il n'y a pas le même niveau de confort par rapport aux véhicules plus modernes. Je parle de la climatisation, voilà le volant, la direction, mais ils vont encore bien, ils sont encore fiables. Je vous ai conduit pendant beaucoup d'années, je suis là depuis 26 ans, TL, alors je connais assez bien. Et il faut dire qu'à l'époque, au début, on s'adorait. Maintenant, bien sûr, c'est notre conception de véhicule. Ils sont rapides au démarrage, un petit peu, voilà, c'est maniable. Mais ils sont encore fiables. Ils sont encore fiables. Bonne fin de journée à tous. Voilà, bon voyage au TR. Jusqu'à leurs partenaires, le LEB et les TL sont désormais frères.
m'appelle Antonio. Ça fait depuis 9 mois que je suis hôtel et je conduis ces beaux 700 que j'adore. J'aime beaucoup parce que c'est un bon véhicule. On sent moins la route que les autres, parce que les autres on sent trop, on a l'impression qu'il faut se démonter. Et j'ai juste un petit pincement au cœur que c'est qu'ils vont partir. Et puis que bah voilà, je trouve que c'est dommage parce que c'est comme un bon véhicule, c'est comme un Mercedes. Hein. Et bah voilà, je suis super content d'être mieux. Voilà, je vais vous parler des choses que j'aime pas sur les 700. Hein. C'est l'été. Quand il fait super chaud, ici c'est un sauna, hein. T'as pas besoin d'aller au fitness, hein. Tu viens ici, tu conduis ces bus, c'est nickel. Et puis aussi une chose que j'aime pas, c'est que tu peux pas baisser les perches automatiquement, tu es obligé de les faire manuellement. Et puis sinon, tout le reste, j'adore ce bus. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et bientôt sur le réseau.